Bon les gars, on a qu'une vie. C'était pas prévu, mais vas-y. Je vais prendre un truc, vous êtes pas prêts. Un truc que j'ai acheté en me disant, j'ai pas ces cartes promo dans ma collection, il me les faut. C'est un coffret qui coûte plus de 400 euros à l'heure actuelle. Le coffret Destiné Occulte. Pouvoir Premium de Rayquaza avec justement ces trois cartes promo là qui rentrent dans le set et des boosters destinés aux cultes à l'intérieur. Il me manque quelques cartes encore dans la collection et écoutez, c'est voilà, c'est un investissement quoi. Tu veux le Master Set, ça là, j'avais envie de ces cartes là et puis bah du coup ça fait des boosters à ouvrir. Je l'ai acheté il y a un petit moment, je me dis bon ben voilà, on le tente quoi. Donc du coup les gars, c'est officiel, c'est décelé, il a perdu déjà de la valeur. Là, il n'y a pas de question, viens on le revend ou quoi que ce soit, non. C'est des produits comme ça de temps en temps que j'ai envie de faire en ouverture. Grâce à vous, je peux me permettre de temps en temps de me faire ce petit cadeau là. Petit gros cadeau mine de rien, parce que c'est pas à la portée de tout le monde bien évidemment, j'en suis totalement conscient et je vous remercie de cette possibilité là. Et YouTube aussi, sur ces ouvertures là, je sais qu'à la base je suis FIFA les potes, mais Pokémon sera de plus en plus. Donc n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si vous kiffez, parce que vraiment, c'est des produits que vous allez pas voir tous les jours ouverts. Et donc on va en discuter un peu de cette collection. Donc déjà les trois promos qui sont là, on va essayer de les sortir proprement. Alors moi ma technique elle est pas très bonne, mais des fois quand t'appuies pote un petit peu, voilà, ça sort tout ça tranquille. Le problème des promos ici, c'est que très souvent, c'est compliqué d'avoir des bonnes notes en gradation. Mais moi, ça va être des cartes de classeur. Mais regardez-moi cette Lunala GX qui est juste incroyable. Full goldé. On dirait presque une fausse carte. Tellement on n'a pas l'habitude de voir un petit peu ces designs-là. Donc, Destiné Occulte, hein, on est quand même sur une collection qui est un petit peu... qui date maintenant. 2019, hein, qui est vraiment la collection voisine à Destiné Radieuse, qui est un petit peu plus moderne, Destiné Radieuse. Et cette carte-là que je voulais absolument, le Rayquaza GX. En bon état, ce monnaie est déjà très cher de base. Donc, ouais, pas simple à trouver. Je sais pas si je vais envoyer à grader ou pas. On verra. Voilà. On a aussi la méga carte du Rayquaza GX. Ici même. Celle-ci, bon, je vais pas vous mentir. Moi, les méga cartes, j'en fais pas grand chose. Mais bon. Et on a les boosters. Destiné Occulte. Alors là, les gars, je vais pas vous mentir. Ça risque d'être tendax, quoi. Dans ces boosters-là, les petits potes, on peut avoir. Je vais vous montrer quand même pour que vous puissiez visualiser pour ceux qui ne connaissent pas la série. Parce que pas tout le monde connaît cette série-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu les possibilités qu'on peut choper sur cette série-là. Dont la carte que tout le monde veut, bien évidemment. Donc, la collection, elle est plutôt sympa. Donc Dracaufeu GX plutôt cool, mais ça après comme d'habitude maintenant vous le savez, c'est un peu les cartes de base, c'est pas celles qui vont avoir full valeur, même si en vrai ça commence à dater, donc il y a des cartes qui peuvent commencer un petit peu à côté, tu vois. Mais il y a vraiment des magnifiques cartes. On commence après avec des cartes assez intéressantes avec les oiseaux en escouade en full art. On a aussi la belle Rainbow, moi j'aime beaucoup la Jessie et James en dresseur, je la trouve vraiment cool. Et ensuite les gars, c'est 68 cartes, mais après on a une bagatelle de petits shiny. Donc ça c'est que des Pokémon shiny, Salamèche, Reptincelle. Et toutes ces petites cartes là ont une certaine valeur, hein. Entre 10, 20, voire des fois même 40 balles le shiny. Tout dépend lequel tu vas rechercher pour ta collection. Et après on a les GX Full Art Shiny, dont cette carte là du Dracaufeu. Si tu vas checker un petit peu, tu vois, on est sur une carte à 371 euros. Ici, dernière vente réussie, 520 ici sur une carte qui était chez PCA 9,5. Donc tu vois, c'est une carte qui cote déjà énormément, très recherchée. Mais il y a beaucoup d'autres shiny sympas, hein. Givrali qui est vraiment magnifique, Mantali je la trouve trop belle, Noctali une de mes préférées. Il y a méga beaucoup de cartes. Et comme vous pouvez le constater, ben voilà, moi je suis bien avancé, mais au niveau des cartes manquantes, il m'en manque quand même quelques-unes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 25, 26, il manque 27 cartes à l'heure actuelle. Donc bon, ben, il faut les trouver, ces 27 cartes. C'est pour ça que j'ai mis une annonce d'ailleurs, parce que je les recherche à l'heure actuelle pour acheter. Et il manque quelques reverse aussi, voilà. Et sinon, après, j'ai le Master Set. J'avais pris ce coffret-là parce que j'avais pas ces promos-là et j'avais envie de me faire plaisir. Et donc voilà, écoutez, on va espérer de la chance, on verra bien ce que ça donne. On va mettre nos magnifiques 3 promos et le Rayquaza qui va espérer appeler un autre Pokémon Shiny de couleur noire. Ce serait somptueux. Et les gars, let's go, hein. Là, on est dans l'histoire, hein. On a des cartes magnifiques. Maintenant, franchement, je vous mens pas. Là, sur une ouverture comme ça, tu cherches éventuellement à choper le drac pour te rembourser ton coffret. À l'heure actuelle, vu le prix du coffret, tu vois. Allez, 1, 2, 3, 4. On en est comme ça et comme ça. Je crois que les shiny sortent d'ailleurs à l'avant-dernière. Je ne sais plus, mais il me semble. Allez, un petit Evoli ici. Chenipan, Paras, Abo. Le petit psychoquac magnifique. Mon Pokémon préféré, je vous le rappelle. L'énergie. Allez, Arène d'Azuradondine. La stratégie de Major Bob. Le Dan du centre Pokémon. Oh. Oh. C'est une manquante. Oui. Et du coup, regardez ce que je viens de choper. Un Lugarok ici que je n'avais pas dans ma collection et que je viens d'avoir. Donc, bah, je suis content. Bon, par contre, on va pas se mentir. Si on fait 2 GX Full Art, ça va être compliqué. Eh ben, écoute, c'est incroyable. Le petit Lugarok. Mais arrête. Et derrière, un petit Scarabru GX. Bah alors franchement, là, le premier booster est incroyable. Ah bah, je suis content déjà. Au moins, tu vois, j'ai une carte qui me manque. Et c'est une belle carte, Lugarok GX. Il est magnifique, hein. Donc Lugarok, hein, vous savez, il est rouge, hein, sauf erreur. En shiny, il est incroyable. Franchement, ces cartes sont magnifiques, hein.
C'était une masterclass cette collection, vraiment. Bah, je suis très content. Magnifique hit ici. Et donc du coup ça, je remets dans le booster parce que je vais sûrement remettre les boosters dans le coffret pour, tu vois, me le mettre en décoration parce que le coffret est magnifique, je pense. Ouais, franchement, je suis content là. Allez, deuxième booster. Bon, je pense que ça va être très compliqué de sortir une deuxième. Après, je sais pas, j'ai jamais ouvert un coffret comme ça, donc je sais pas. Mais je serais très très surpris de ressortir un autre shiny. Ce qui était sympa avec cette collection aussi des Destiny Occulte, c'est que tu vois, on reprenait le set de base, hein, Melofé, Psychoquack, t'as que des Pokémon de la génération 1, hormis shiny. Sur la collection de base, les 68 cartes, c'est que des Pokémon qu'on connaît tous. Donc cette collection était vraiment chouette et elle a beaucoup plu. Et c'est pour ça que les items maintenant se trouvent plus en magasin, sont extrêmement rares depuis 2019 et du coup valent très cher. Arbok en reverse rare, est-ce que c'est une manquante? Non, ce n'est pas une reverse manquante, mais je vais la garder de côté. Et puis une maîtrise aquatique d'Ondine, tu regardes. Juste cette holo là, elle est incroyable aussi. En vrai, je vais les sleeve. Toutes ces cartes là, je pense que je les fais gagner sur la vidéo YouTube. Ça peut être sympa, non? Un petit commentaire sur la vidéo YouTube et je ferai un petit tirage au sort, un petit like. Et tout ce qui est GX, pas full art, holo et reverse, ça part en cadeau pour vous. Hormis si j'ai besoin, quoi, tu vois. Je pense que ça peut être sympa. Je vous fais le petit lot ici à côté et je vous montrerai à la fin tout ce qu'il y a dedans. Allez, il faut garder espoir. On peut toujours faire un deuxième shiny. Oh là là, mais quand j'ai bugué quand j'ai vu que c'était shiny, les gars. Oh, j'y ai cru. Hein. Après. Une carte qu'on n'a pas, on est toujours content en vrai. Voltorb ici, Smogo, Abo. Si tu chopes le Drag GX, normal, elle m'intéresse. ouais, elle m'intéresse aussi, t'inquiète. Arène d'Azuria, Magmar. Un shiny ici, les gars. Est-ce que c'est un shiny manquant? Ah, Brindibou, je crois que j'ai déjà clairement manquante normale. Ouais, j'ai déjà le petit Brindibou shiny, mais magnifique. Il est trop beau. Et du coup, ça pourra faire un petit échange. Ou non, je pourrais la faire gagner aussi dans le lot. Tu vois, je vais la faire gagner dans le lot. Celle-là, les petits shiny aussi, je les ai déjà. Et c'est des cartes plutôt sympas. Magnifique le booster Dracaufeu. Hein. Il est incroyable. Tu te rappelles bien de tout ce que tu as, perso, car avec tout ce que tu ouvres. Bah non, j'ai mon Pokécard Dex qui est à côté pour me rappeler de ce que j'ai besoin. Smogo, Osley, Rakayu, Rondoudou, Starry. Énergie, vois avec Momo pour les échanges, peut-être il a ouvert un camion de TV. Ah, il avait pas. On va déjà regarder avec lui. Dame du sang de Pokémon. Suggestion de Morgane. Une reverse de Rakayu. Et Jesse et James. Magnifique. Ils sont classe. Franchement, elles sont magnifiques ces cartes. Bon, on a déjà eu un petit shiny, un gros shiny, une GX. J'ai un peu peur, hein. Destiny Occulte encore, let's go. Allez, c'est des produits tellement rares, ça. Je pense que je vais pas en ouvrir d'ailleurs, hein. Vraiment, clairement. Je pense pas que j'en aurai d'autres de ce genre de coffret là. Allez, c'est parti. Starry, Voltorb, Pikachu, Rondoudou, Abo, Energy, Stratégie de Major Bob, Magmar, Arène d'Azuria, Dondine. Et un petit shiny électrique. Il me manque pas d'électrique malheureusement. Mais ça ferait une jolie carte à voir. Oh, elle est tellement classe la Voltorb. Magnifique. Franchement les gars, trop belle. Voltorb shiny, juste incroyable. Trop beau. Putain, franchement ça drop. Hein. 3 shiny quand même en 6 boosters, c'est pas dégueu. Hein. Avant dernier booster. Booster Mewtwo, qui me manque d'ailleurs. Je n'ai pas le Mewtwo. Là il y a peut-être un hit les gars. J'ai l'impression que ça a un peu croché à la dernière carte. Donc peut-être un hit, je sais pas. On verra. Dame du sang de Pokémon. Crisacier. Les suggestions de Morgane. Une reverse rare de Grolem. Eh, je vous ai dit, ça avait croché. Un Dracaufeu? Non, ça sera le gros doudou GX. Bah ça aussi sera à gagner. Ce sera pour vous. Ah, ça commence à être des cartes un peu rares, hein, les potes. Dernier booster, un Dracaufeu pour un Dracaufeu. Bah, j'y crois pas une seconde. Hein. J'y crois pas une seconde, mais... Tout est possible avec Pokémon. C'est ça qui est beau. Voltorb, Pikachu, Rondoudou, Abo, Smogo, Energy, Crisacier, Exil de Giovanni, La Piège de Koga. Ça sera une reverse de Evoli, tout mignon. Et la dernière carte, un Voltali en rare. Malheureusement, pas d'autres magnifiques shiny, mais je suis déjà très content de ce coffret. Franchement, il est beau. Hein. Tu regardes la qualité déjà des cartes ici. Bon, le Lugarok fait vraiment plaisir parce que il va rentrer dans mon classeur. Comme ces 3 cartes, hein, d'ailleurs, ici même, que je vais rentrer dans mon classeur pour mon Master Set. La Solgaleo GX, magnifique. Le Rayquaza GX, la Lunala GX et la Lugarok. Et derrière, le petit lot que vous pourrez gagner. Du coup, regardez, je vous mets même les petits shiny là, ça me fait plaisir. Ils ont une petite valeur en vrai. Et puis, je pense qu'avec le temps, ça peut augmenter. Donc, n'hésitez pas.
si vous voulez participer, un petit commentaire, un petit like sur la vidéo. Le petit like, ça compte pas pour la participation, mais ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis la vérité, hein, je peux pas faire de tirage au sort par rapport au like, mais ça fait plaisir. Et des petites holographiques avec la maîtrise d'Ondine, Rivers de Arbok, Rivers de Evoli, Rakayu aussi, Jesse et James, Grolem, Brindibou Shiny, Voltorb Shiny, Scarabru GX et Gros Doudou GX, ça sera à gagner directement. Donc voilà, ok? Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, les potes. Je suis assez content du drop. Ça, ça va dans le classeur. Ça, ça a gagné. Et ça, je rangerai après. Et puis, la prochaine fois pour une prochaine ouverture. N'hésitez pas à proposer des items que vous aimeriez voir en ouverture. Je le ferai avec plaisir.